Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la vidéo qui, ça fait pas trop longtemps que je fais. Ça doit faire peut-être 2 mois qu'on a commencé à faire ça. Et c'est dans la banque colo de Zazou. Je vous retrouve pour la palette de couleurs qui se déroule du 15 au 15. Donc là, on est le 15 avril. Donc pour participer, vous avez du 15 avril jusqu'au 15 mai. Donc, la palette de couleurs, vous l'aurez deviné, ce sera noir et blanc. Le argent est permis, mais vous n'avez pas le droit à aucune autre couleur. Donc, vous devez faire tout en noir et blanc, ben avec du gris, hein, bien sûr. On a la palette de gris complète qu'on peut utiliser. On peut utiliser du argent, mais pas du or et pas de couleur peau cette fois-ci. Donc, ce n'est que la palette de gris et de noir. Et là, moi, le colo que j'ai choisi pour participer, c'est celui-ci, parce que je trouve que ça s'apprête assez bien pour faire une image en noir et blanc. Et c'est dans le Whimsical Trope de Decay de Annaline. Mais là, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre cette image-là. Vous prenez l'image que vous voulez. Et là, j'ai sorti toutes sortes de matériel pour vous montrer comment c'est facile de trouver cette palette de couleurs-là. Et là, j'ai pris les polychromos, mais bien sûr, vous pouvez y aller dans n'importe quelle couleur, n'importe quelle marque de crayon. C'est certain que vous avez une palette de gris. Là, j'ai accroché ma caméra, je suis désolée. Donc, j'ai sorti 2 petits tampons encreurs. Ce n'est pas des encres du stress, mais c'est des petits tampons que j'avais trouvés chez Michael, qui étaient comme ça, à l'unité. Donc, j'ai un noir et un argent. Ensuite, la peinture acrylique noire, ça peut très bien fonctionner si vous n'avez pas un fond comme ici. Moi, je pourrais pas faire ça parce que j'ai des éléments à faire. Mais mettons que vous choisissez un fond plutôt, je sais pas moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'expliquer? Je pense pas là. Mais mettons qu'on prendrait cette image-là, ben je pourrais venir faire un fond noir tout simplement. Donc, j'ai sorti la peinture acrylique, j'ai sorti les petits encres de Winsor & Newton. Il y a l'argent, moi je vais l'utiliser. Donc là, j'ai sorti tout plein de choses, mais moi j'utiliserai pas tout ça là. J'ai sorti ce que. Premièrement, j'aurais pu vous en sortir plus que ça. C'était simplement pour vous donner des idées, des idées. Voilà, des idées pour que vous puissiez trouver dans vos trucs cette palette de couleurs-là. Donc là, j'ai sorti aussi des artistraux, hein. J'en ai un argent, j'en ai un noir pailleté, j'ai un tout noir. Si vous voulez prendre aussi tous les gris, mettons ceux-là, j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû les sortir. Je vais les sortir, voilà. Toute cette palette-là est toute acceptée. Le blanc, bien sûr. Bon, il y a mon Uniball, hein, bien sûr, lui. Il fait partie du lot. J'ai sorti le Uniball argenté. Vous pouvez utiliser des Posca, des noirs, des blancs. Si vous avez des gris aussi, ça peut fonctionner. Moi, j'en ai pas, donc c'est pour ça que j'ai sorti que les noirs et les blancs. Ensuite, dans les gélatos, j'ai trouvé du gris, du petit gris pâle. Il y a même du blanc, mais je ne l'ai pas sorti. Et il y a du noir aussi. Donc, ça fonctionne. Et même si vous avez des dérivés de gélatos, je suis certaine que vous avez ces couleurs-là aussi dedans. Donc, dans les polychromos, j'ai sorti toute la gamme complète de gris. Et bien sûr, les sticules, si vous prenez les cristals, hein, ils n'ont pas de couleur, donc sont acceptés. Du liquide pearl, perlé blanc, ça fonctionne. Des paillettes libres comme ça, du argent, du blanc, ça fonctionne parce que le blanc est accepté. J'ai même sorti du distress comme ça qui est éteint brossé, celui-là. Donc ça fait c'est en spray, donc on peut vaporiser et ça fait des petits points. Argenté foncé. Donc ça fonctionne. Et encore une fois, bon, de la peinture acrylique pailletée argentée, on peut utiliser ça. J'ai sorti mon petit spray ici parce que les paillettes dedans sont argentées, donc ça fonctionnerait. Les sticules, le liquide pearl argenté, ça fonctionne. Et j'ai même du washi tape argenté qui pourrait fonctionner aussi. Donc là, petite précision. Pour faire votre colo en noir et blanc, bon, c'est sûr que vous allez avoir besoin de gris, hein, pour faire vos dégradés, à moins que si vous faites juste du blanc et du noir, je suis pas certaine de ce que ça va donner. Vous n'aurez pas le choix de prendre du gris et pour dégrader vos couleurs. Faites attention de ne pas mélanger les gris chauds et les gris froids, parce que sinon, ça va vous donner des couleurs bizarres. Donc, si vous décidez de vous en aller dans la palette de gris froid, restez avec les gris froids. Si vous décidez de vous en aller avec la palette de gris chaud, restez dans les gris chauds. Et si vous allez dans les gris chauds, n'oubliez pas qu'il y a une teinte de brun dedans.
Donc, vous allez plutôt avoir un coloriage sépia qu'un coloriage vraiment noir et blanc, mais c'est accepté. Vous pouvez prendre les gris chauds si vous en avez envie. Moi, je vais plutôt opter pour les gris froids parce que c'est toujours mes gris préférés dans les gammes de crayons. Donc, voilà, je crois que vous avez tout dit. Je vais en faire une petite partie avec vous, hein, comme j'avais fait le mois passé. Là, je ne sais pas si je vais me faire une base ou à alcool. Et là, je vous le dis, hein, c'est une première pour moi aussi. J'ai jamais fait ça, un colo en noir et blanc. Mais ça fait super longtemps que j'ai envie de l'essayer. Donc, je me suis dit, OK, on se fait ce défi-là ce mois-ci. Le mois passé, c'était la palette fluo. Hein. Puis, vous avez été beaucoup à participer. Donc, je crois que celle-là est plus facile ce mois-ci. Je ne sais pas, on verra. Donc là, je vais me prendre des petites feuilles hein, pour mettre derrière mon coloriage pour protéger ma feuille de dessous. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'avais fait avec mon coloriage. Je vais vous montrer la peau, tiens, parce que je pense que ça va peut-être être ça qui va pouvoir, qui va peut-être embêter certaines personnes. Moi-même, je pense que ça va m'embêter. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, là, je me suis trouvé deux petits papiers à mettre de fière. C'est deux cartons, donc ça devrait être pas pire. Donc là, est-ce que je me fais une base au marqueur alcool? Parce que j'en ai des marqueurs alcool gris. J'aurais pu vous les sortir, ça aussi, pour vous les montrer. Là, est-ce que je suis encore? Oui. Je vais utiliser mes polychromos, moi, pour faire mon colo. Donc là, je vais ramasser tout ce qui est... Bon, c'est sûr, ça nous prend le noir, ça nous prend le blanc. Mais moi, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor. Je sais pas si je l'ai mis, enfin, je le trouve. Bon, je vais ramasser tout ce qui est gris froid. Comme ça, Dark Sepia, ce n'est pas du gris froid. Je vais le mettre de côté. Cold Gris, ça, je le garde, c'est froid. Ensuite, Warm Gris, ça, c'est chaud. Je vais le mettre de côté. Cold Gris, froid. Froid. Ça, c'est Warm. C'est chaud. Cold Gris, c'est froid. Cold Gris encore. Ça, c'est, je suis certaine que c'est warm, oui. Ça, c'est froid, oui. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud aussi. Ça aussi, c'est chaud, je suis certaine. J'ai même sorti le métallique. On ne l'utilise pas souvent, donc ça peut être intéressant. Donc, Pine Gris, ben là, ça, je ne sais pas. On va faire un test, on va voir si c'est froid ou si c'est chaud. Je dirais que c'est un gris froid, je crois. J'ai pas vraiment de teinte de brun, mais bon, je l'utiliserai pas pour être certaine. Donc, vous voyez, ça, c'est une palette de gris chaud. Donc, c'est des gris qui tirent un petit peu sur le brun. Donc, si je partirais dans cette palette-là, ça me donnerait un colo un peu plus sépia que noir et blanc. Mais moi, je veux vraiment une image noire et blanche. Donc, j'élimine tout ce qui est gris chaud. Et je vais partir dans la palette froide. Vous voyez, ici, on a vraiment plus un noir et blanc. Je vais vous mettre direct à côté pour que vous le voyez. Là, si je sépare, vous voyez, ici, ça tire beaucoup plus sur le brun qu'ici, quand c'est vraiment froid. Donc, voilà. Alors, à vous de choisir dans quelle palette vous allez partir. Et là, j'ai vraiment hâte de voir vos coloriages pour voir ce que vous allez en faire. Donc là, je vais me partir, ouais, je vais me faire une base au marqueur alcool. Je vais utiliser celui-là, c'est... Ah non, je peux pas utiliser lui. C'est un warm. Warm, c'est gris chaud. Donc, je vais regarder dans mes OUU. Je crois que j'en ai. Faut pas que je le prenne trop foncé parce que c'est pour ma peau, hein. Ok, j'en ai un ici, Cold Gris. Numéro 1. Peut-être que ça serait pas pire. Je vois quand même le... Voilà, j'ai tellement mis ça serré, mes marqueurs alcool, que j'ai la difficulté à les prendre. Donc, si vous avez les OU, CG, ça va être Cold Gris, et les NG, ça va être les gris chauds, je crois. Parce qu'il y a CG aussi. Ah ouais, c'est ça. CG, c'est les gris froids, et puis les NG, c'est les gris chauds. Il me semble bien. Si je dis pas de bêtises, là, ça aurait du sens. Donc, est-ce que j'en ai un petit peu plus foncé que lui? Celui-là, c'est le numéro 1 et celui-là, c'est le numéro 2. Donc, je vais les prendre. Je vais prendre tout ce qui est les gris froids dans mes OUU parce que dans les Copics, j'en ai pas.
C'est rare que j'achète ça du gris, là. Je m'avais acheté deux gris, puis je sais pas pourquoi j'ai pris deux gris chauds, parce que moi, je préfère les gris froids que les gris chauds. Chaud-froid. Est-ce que j'en ai d'autres ou j'ai que ça? Je regarde. J'ai lui, mais il est quasiment blanc, donc ça, va pareil. Je vais me prendre quand même. Et j'ai celui-là. Là, je vais arrêter de faire bouger aussitôt que j'ai terminé avec les marqueurs alcool. C'est parce qu'ils sont au mur et sont drettes à côté où est-ce qu'il y a ma perche. Donc, c'est tout. Ouais, je crois que j'ai tout pris ce qu'il y avait de gris froid dans les OU. Donc, vous voyez, ça me donne ça. Donc, je vais pouvoir me faire quand même une base alcool. Ça, c'est super le fun. Donc, je vais utiliser tout ça. Je vais utiliser ça, ça, ça. Je crois que ça va être tout ce que je vais prendre, moi, dans la palette. Bien sûr, je vais peut-être utiliser des artistros. Donc, je vais les garder. Pas les pailleter. Donc, je vais mettre. Je sais pas, là, je suis envahie de trucs, là, vous savez, hein, moi, quand il y a trop de trucs alentour de moi. Bon, on va mettre ça là. Mais bon, ça va être ça. Je prendrai pas de Posca ni de tout ça. J'essaye de les enlever de votre champ de vision. Et moi, je vais ramasser ça tout à l'heure pour que ce soit propre. Est-ce que vous voyez tout ce que je vais utiliser sans voir le reste? Je vais juste regarder. Hein, quand on est ma mère, ben c'est ça. Bon, OK. J'ai regardé juste ce que moi je vais utiliser. Donc là, est-ce que c'est propre? Oui, OK. Bon. Alors, on va commencer. J'ai un peu peur, mais bon, c'est ça un défi. Faut pas que ce soit trop facile. Donc là, je vais y aller avec je vais tester le numéro 1 et le numéro 2 pour voir quel genre de gris que ça me donne, parce que je veux pas non plus me retrouver avec un visage trop foncé. Donc ça serait le numéro 1, j'imagine, oui. Et celui-là, c'est le numéro 2. Je vais y aller avec le numéro 1 pour être certaine parce que je veux pouvoir bien faire moi-même mes ombrages, tout ça. Donc, je fais une base au marqueur alcool parce que ça enlève beaucoup du grain de papier. Puis le papier Amazon, hein, il y en a beaucoup. Donc, c'est moins long en faisant une base au marqueur alcool. Donc là, je vais prendre le OUCG numéro 1 et ben, je vais faire ma peau. Donc voilà, elle a l'air d'un fantôme, hein? Mais bon, c'est sûr que là, tant que les couleurs ne sont pas appliquées partout, ça va avoir l'air de ça, hein? Et là, tout ce que je vois que je veux faire de la dentelle, je vais prendre encore le même numéro. Et ici, je veux que ce soit plus pâle, donc je vais venir appliquer ce gris-là. C'est le même que j'ai pris pour la peau. Partout où est-ce qu'il y a ces petits froufrous-là, je vais mettre ce gris-là. Et là, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un album dans la banque Colo d'Azur si vous avez envie de mettre vos coloriages pour la palette de couleurs. Même chose pour le colorion ensemble. Il y a un album qui est dans la banque Colo d'Azur où vous pouvez publier vos choses. Vous avez le droit de les publier sur l'accueil hein, pour les partager avec tout le monde. Mais n'oubliez pas d'aller les mettre dans les albums parce que premièrement, c'est beaucoup plus facile pour les gens quand ils veulent voir tous les colos plutôt que de chercher sur l'accueil. Donc, on rouvre l'album et on voit tous ceux qui ont participé, on voit tous les coloriages de tout le monde. Et puis, ben Luna, mon autre, ben ma modératrice, on est trois modératrices, mais vous savez, hein, je vous en parle tellement souvent. Elle fait souvent une vidéo où elle montre à la fin du mois tous les coloriages de ceux qui ont participé. Et elle se sert de l'album. Donc, si vous voulez voir votre coloriage, bien, il faut les mettre dans l'album. Mais je pense qu'elle fait pas de vidéo pour la palette de couleurs. Elle fait une vidéo pour colorions ensemble pour ceux qui ont participé. Donc, voilà. Alors, si vous avez envie de voir votre colo dans cette belle vidéo, c'est un beau montage qu'elle fait à chaque mois. Et n'oubliez pas de poster dans l'album.
Parce que ça serait beaucoup trop long pour elle là, de chercher dans l'actualité, là, parce qu'il y a tellement de publications dans une journée que ça serait quasiment de la torture pour elle de chercher au travers de tout ça. Là, je vais aussi faire ça ici en plus pâle. Donc là, c'est vraiment de délimiter les endroits où est-ce que vous voulez que votre noir et blanc soit plus foncé, et aux endroits où est-ce que vous voulez que ce soit plus pâle. Moi, je vais fonctionner un peu de cette façon-là. Donc là, moi ici, je veux que ça soit plus pâle. Donc c'est pour ça que je vais venir appliquer celui-là. Là, je fais pas trop attention à mon tour ici parce que moi, je vais toujours le mettre noir et je fais toujours un petit rebord au stylo gel. Là, je vais être obligée de le faire avec du stylo gel pailleté argenté. Mais ça ne me dérange pas, j'avais envie d'en mettre de l'argent dans mon colo. Donc, on va faire la petite boucle. Je vais prendre l'autre bout parce que j'ai rien. Pour ce qui est de la fenêtre aussi, je vais la mettre en pâle pour faire comme si la fenêtre serait blanche. Que ça va être correct comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre d'autre en pâle. On va commencer comme ça. Donc là, je ne vais pas partir tout de suite avec du noir. Hein. Je vais partir avec le gris le plus foncé de la palette. Et je vais prendre le code gris numéro 6. Donc, je vais l'aiguiser. Et là, je vais venir appliquer mes ombrages. Donc là, je vais faire l'ombrage de mon visage. Et je n'appuie pas, hein, parce que je veux pouvoir bien contrôler ma dose de gris. Et là, un autre petit truc que je pourrais vous donner pour faire un coloriage en noir et blanc. Si vous avez des livres avec du grayscale, regardez-les et ça peut vraiment vous donner une idée de comment placer vos ombrages ou où est-ce que les couleurs les plus pâles vont être. Et là, je vais vous en montrer un qui est de Christine Caron. J'aurais pu utiliser ça hein, aussi pour mon colo, mais moi, j'avais envie de faire lui. Vu que c'est une époque ancienne, pour faire comme si les photos en couleur n'étaient pas encore sorties. Donc, dans ça, dans Fairy in Fantasy 2, puis des livres de Grayscale, hein, il y en a beaucoup. Donc, vous pouvez regarder un petit peu pour vous aider. Vous voyez ici, on va voir qu'ici c'est plus foncé, ici ça va être plus pâle. Mais on s'imagine qu'on met pas de couleur, on va mettre que du noir et du blanc. Donc ça peut peut-être vous aider si vous trouvez que le défi est difficile. Et il n'y a pas d'obligation, hein? Vous n'êtes pas obligé de participer. On fait ça que pour s'amuser, pour se donner un petit défi dans le mois. Et de toute façon, vous avez un mois pour participer. Donc, si vous n'avez pas fini à la fin de ce mois-ci, ben c'est pas grave, hein? Vous avez jusqu'au 15 mai. Et même si vous n'avez pas fini après le 15 mai, c'est pas grave. Vous venez juste publier dans l'album. C'est juste que moi, rendu le 15 mai, on va changer de palette de couleurs. C'est pour ça que je mets une date, parce que sinon, on se retrouverait plus, là, mais... C'est pas grave là, si vous publiez après. Là. Vous allez pas vous faire chicaner. C'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez regarder un peu vos livres de Grayscale si jamais vous savez pas trop comment placer vos couleurs. Ben, là, il n'y a pas de couleur. Là. On peut pas dire qu'on met vraiment de la couleur. Mais pour placer vos ombres et puis tout ça, savoir où est-ce qu'on met les points de lumière. Mais c'est la même chose, hein? On s'imagine qu'on utilise les crayons de couleur. Comme ici, moi, j'aurais opté pour un brun peut-être ocre ou un petit peu plus foncé. Tout dépend du teint que j'ai envie de lui donner. Mais là, j'y vais avec mon gris le plus foncé plutôt que d'y aller avec mon brun foncé. Ensuite, je vais y aller avec un gris un peu plus pâle. Je vais dégrader, donc je vais faire ça dans tout le colo. Et aux endroits où est-ce que je veux que ça reste plus pâle, ben je vais mettre moins de gris. Je vais mettre un gris plus pâle, dégradé avec d'autres gris plus pâles. Comme, mettons, j'aurais voulu que son visage soit plus pâle. Ben j'aurais peut-être commencé, mettons, avec le gris numéro 4,
plutôt que le numéro 6. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, je pense que ça pourrait être bien amusant et j'ai hâte de voir quel colo vous allez avoir choisi pour faire votre défi. Quel colo qui, pour vous, à vos yeux, méritait d'avoir cette couleur. Donc, moi, ça va être celui-là que vous allez pouvoir voir quand je vais l'avoir terminé. Bien sûr que je vais le publier dans la banque Colo d'Azou. Je vais le mettre sur Instagram aussi. Et vous pouvez aussi vous publier sur Instagram ou sur d'autres... Il y en a qui sont dans d'autres groupes de coloriage. Vous pouvez dire que c'est un défi palette de couleurs que vous avez fait. Comme ça, des fois, les gens, ils vont pas trouver ça bizarre. Comme moi, quand j'avais publié mon coloriage fluo, je l'avais dit parce que je me suis dit, ils vont peut-être dire pourquoi elle a choisi ces couleurs-là, tu sais. Donc là, je fais la même chose que d'habitude. Partout où est-ce que j'aurais placé des ombrages avec mon brun, ben, je vais le faire avec celui-là. Et là, pour le nez, ce que je fais, c'est-tu un nez de côté? Oui, OK. Donc là, je vais venir faire son nez. Et là, je vais faire pareil comme si j'aurais eu mon crayon brun. Le dégradé ici, parce que c'est ce que j'aurais fait avec. Et je vais mettre... Là, je suis désolée, je suis fatiguante, je tourne tout le temps mon lit, mais c'est parce que sinon, j'arrive pas à faire mes choses comme vous. Je vais en mettre un petit peu ici. Et là, je vais faire que le visage avec vous. Je fais pas tout le colo, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je veux dire par palette de couleurs. Donc là, je le mets de côté. D'un coup, j'ai besoin de reprendre ce gris-là. Et là, maintenant, je vais y aller avec le gris numéro 4. Je sais pas pourquoi je vous dis numéro 4, là, c'est parce que moi, je lis en le chiffre romain. C'est le 233, et le premier gris, c'était le 235. En tout cas, pour Halloween, ça serait un bon combo pour faire un fantôme. J'aurais peut-être ajouté un peu de mauve ou de bleu dedans, là. Mais pour faire un fantôme gris, là, ça serait pas pire. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec lui, je vais m'en aller avec un gris plus pâle et je vais y aller avec le numéro 230. Ensuite, je vais prendre mon blanc des Prismacolor parce que moi, c'est mon préféré. Avant ça, je vais peut-être lui mettre, faire comme si elle aurait, je sais pas, juste ça comme ça. J'avais envie de faire comme si elle avait du blush, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je vais laisser ça de même. Je vais prendre mon tout petit blanc parce que là, je sais pas où c'est que j'ai mis mon autre, comme d'habitude. Et ben, je vais blender tout ça. Donc là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, ben là, avec le papier Amazon, hein, c'est pas toujours évident de venir mettre ça tout lisse. Je sais tout le temps, hein, mais bon. Il y a toujours le petit grain de papier qui ressort à chaque fois.
Donc là, je vais reprendre un petit peu avec mon premier brun. Mon premier gris qui était le 235. Juste pour reprendre un petit peu l'ombrage. Je fais toujours ça un coup que j'ai passé le blanc parce que des fois, je trouve que ça vient un peu trop pâler. Et j'appuie pas, hein, encore une fois. J'appuie jamais, jamais, jamais pour les peaux. On peut peut-être venir faire comme créer un genre de blush avec celui-là. Et là, je vais repasser encore un peu mon blanc. Donc, je vais laisser la peau comme ça. Là, c'est sûr que je vais tout le temps être en train de niaiser dedans. Parce que même quand je fais des peaux en couleur, je suis tout le temps en train de venir faire des retouches. Parce que tout le temps, quelque chose qui me dérange. Donc, c'est pareil avec le noir et blanc. Ça a bien de l'air. Donc, je prends tout le temps mon blanc. Je viens rejouer dedans. Comme là, là, ici, ça me dérange. Surtout avec le papier Amazon, je vais beaucoup jouer avec mon blanc pour essayer d'enlever le plus possible de grains de papier. Est-ce que c'est pas pire comme ça? Ça me semble pas pire. On va laisser ça comme ça. Donc là, pour les yeux, on va y aller avec le même brun. Je vais utiliser le même brun. Pourquoi c'est toujours du brun? C'est du gris. On va aller avec le cold gris, le 235. Et je vais venir faire le haut de mon œil. Même chose, partir du noir ici. Je vais faire ça comme ça. Je passe un petit peu le blanc. Et là, pour ce qui est du bas ici, moi j'aime bien toujours reprendre dans les analines. Et là, je vais me servir de mon blanc. Les balles pour venir faire le petit éclat dans les yeux. Ensuite, pour ses lèvres, je vais utiliser du noir. Je vais contourner un petit peu et dégrader vers le centre. Et là, je vais prendre le blanc. Pas celui des Prismacolor parce que je veux pas que ça l'étende trop mon noir. Je vais prendre celui des Polychromos. Et là, je vais les remplir. Et là, avec mon artiste trop noir, je vais reprendre tout ce qui s'est effacé un petit peu avec le Prismacolor. Je vais reprendre le sourcil. Et je vais aussi refaire un peu le blanc ici, sur le côté de mes yeux, parce que j'aime bien que ce soit blanc. Et on va reprendre les cils. Ça me fait penser aux images, là, tu sais, vous savez que j'écoute beaucoup de films d'horreur, hein? Tu sais, des fois, dans des films là, d'horreur, là, mettons, de maison hantée. Ils vont tout le temps au grenier, puis là, ils trouvent des photos là, des anciens occupants qui ont vécu là, mais c'est genre, ça fait super longtemps qu'ils sont décédés, là, puis tout ça. Puis ils trouvent des vieilles photos anciennes, ça me fait penser à ça.
Les deux, oh mon Dieu, c'est la dame que j'ai vue dans la cuisine tout à l'heure. Ne veut pas ça. Là, je vais rajouter des petits sels. J'aime bien faire ça, moi, dans les annelines. Je rajoute des petits sels dans le bas. J'ai quelque chose, on dirait. On dirait que mes yeux sont pas pareils. Oh, c'est noir des yeux qui est bizarre. Peut-être à rajouter. Ici, il est bizarre. Il descend un peu. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler le défi de la palette noir et blanc. Donc, j'ai bien hâte de voir vos colorations. Bon, si on peut appeler ça une coloration. C'est une coloration, mais c'est une couleur sans couleur. Je sais pas. Donc, j'ai hâte de voir les couleurs que vous allez avoir choisies. J'ai hâte de voir si vous allez être beaucoup à participer. Donc, n'hésitez pas à venir nous partager ça dans la banque colo des Azous. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez mettre votre coloriage dans l'album exprès pour ça. Je vais faire l'album. Je ne l'ai pas fait encore. Ou peut-être que quand je sortirai la vidéo, il sera fait. En tout cas, peu importe. Il y aura un album. Donc, n'oubliez pas d'aller poster vos coloriages dedans si vous participez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la palette vous plaît pour ce mois-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.